Bah, c'est parti, hein, Nautilus Genobot contre Jinx Lulu. Position full AD, ça va rejeter Tabi bien fort. J'ai d'ailleurs les pings à ma team. Hop, voilà, je peux pas ping tout le monde. Mais... comme ça, tout le monde sait où on part. On a une Poppy qui devrait être très tanky. On est avec Samux en bot lane. Le matchup est ok. En vrai, on a un très bon setup de gank. On peut punir sur les miss pose. En naturel sur la lane, ils sont plus forts que nous, mais sur le lane, on peut vraiment faire un truc. Je sais pas si on gagne. Hein. Non, il m'a pas heal et tout. Bon, on gagnait clairement, mais il m'a pas heal et il est parti loin de Jinx. Il a pas voulu follow up le lane. On va gagner quand même, il va heal. Il va la tuer aussi. Oh bah. Il m'a pas heal et du coup, il pensait qu'il m'avait heal. Bah voilà, comme quoi. Yes. Comme quoi, le move initial était bon et la finalité était bonne aussi. Il a vraiment récupéré un free double kill. Et t'inquiète, on va push frérot. Dépêchons-nous avant que Lee Sin arrive. Voir des signes, voir très sommaire, juste pour avoir l'info de Lee Sin. Ok, j'imagine qu'il va reset avec son jean, je vais essayer de décaler mid moi. Pas grand chose d'autre à faire, j'espère qu'il va pas se faire cancel. J'arrive, calme-toi, pas de panique. Prendre mon E quand même, level 2. Le dive, vas-y, ça part. Hein. Je suis un druide, bip boop. C'est propre ce qu'on propose. Oh aïe aïe, c'est propre ce qu'on propose, boum. J'ai un peu peur, hein. J'ai pas d'info Lee Sin, je sais que Lulu est bot side. J'ai pas de flash en plus, je vais pinker là, tu sais quoi. Premier Drake up, je vais back up un petit peu Jean. J'arrive. Oh c'est bon ça. Oh ça c'est bon ça. Allez. J'aurais dû envoyer, hein. Je pensais vraiment pas qu'elle allait crever. Hein. Ah ouais, j'avoue que je l'ai pas aidé à setup la wave. Ah yes. Je crois que Yone il est en first time contre Akshen. Pète un câble, alors pourtant Akshen c'est pas un champion qui a un kit. Enfin, en 1v1 je parle. C'est un homme particulier quoi, il a pas de dinguerie. Bon, il a son E quand même qui est une petite dinguerie, mais je veux dire, c'est un range à peu près classique. Hein. J'arrive bot mon frérot, j'arrive bot. Ils vont te laisser tranquille, t'inquiète pas. Et ouais mon gars, on était là, on avait pensé à tout. Bien joué. Il faut que je me sneak fast. Putain. Excuse-moi, je fais que passer. Hop là, est-ce que je te prends au capture shock? Probablement devoir flash d'ailleurs. Vu que ce spell de Lee Sin qui va arriver bientôt. Alors. Oh non, c'est. Putain, j'étais en train de remettre mon écran. En fait, il était un peu décalé vers moi. Promis, j'aurais flash hein, autrement. Hein. Hop. Ah, oh, c'est pas de chance ça sur le timing. J'avais pas la main sur mon clavier. Y'a tout le monde sur sa gueule au top. Faut le level 6 avant vraiment de pouvoir dive straight. J'ai beaucoup bougé quand même. Après Jin est niveau 9 hein. Il était perma solo. Et niveau 9, on va essayer les gars niveau 9 avec cette merde. On va passer 6, ok. Faut quelqu'un sa flash dit. Ouais mais ils sont partis je pense. Ils ont eu Poppy. Le négro il se fait péter sa mère. Ouais, tellement disrespect. J'avais probablement même pas besoin de flash en fait à travers les Shumpers, mais je savais pas si elle avait son flash ou pas. Jinx, j'ai voulu assurer. Peut-être partir, y'a Kena qui arrive, non? Ah! Iiii
Le kill ne sera pas pour toi, Jinx, malheureusement. Non, je vais clairement pas go sur Elia. Ouais, je pense que je vais go sur Evashraud. En fait, je vais être tanky anyway, donc je pense que j'ai pas besoin de prendre plus de tankiness particulièrement. Vous savez que des fois, vous me faites peur, hein. Moi, je suis là. En fait, je suis là, je fais mon stream tranquille et je vois tout le chat qui spam. Je suis en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, je me dis, je suis devenu fou, j'ai dit un truc sans m'en rendre compte. Ça va, il y a R. Là! Là, j'ai! On lui baisse sa mère! Let's go! Oula, oula, oula! Prends le flash tranquille. Aïe! Oh putain, j'ai pris la roquette. Je voulais jouer avec la range, bon il est mort. Ah, il était mort anyway, mais. Je voulais jouer avec la range, mais il m'a mis une auto-attaque crit à 453, alors ça a peut-être bugué. Ça a dû être. Ouais, ça s'est stack avec les dégâts de la roquette. J'ai eu une auto-critique à 453, je te vois, tu sais que cette merde, tu fais si mal que ça. Ça donne de l'armure, non, ça, Nightvo? On se donne plus d'armure maintenant. Est-ce que ça irait pas sur directement. Directement Randouin, je pense, hein. Ça rentre le Randouin instant, ça fait Nightvo 3ème item. C'est quoi la diff entre les TIT et pénétration d'armure? En gros, la diff, c'est que quand je parle de pénétration d'armure, je parle plutôt de la Whisper, donc pénétration en pourcentage. Les TIT, c'est la pénétration d'armure, mais flat. Du coup, bah, c'est très faible contre quand tu stacks de l'armure, parce que en gros, l'argent que tu investis pour avoir la pénétration d'armure flat, si tu prends de l'armure, ça te coûte beaucoup moins cher de contrer cette pénétration, tu vois. Alors que si le mec par exemple fait un Last Whisper, bah là par contre, quand je fais de l'armure, au contraire c'est lui qui a beaucoup plus de value sur moi, tu vois. C'est clair, mais limite plus je fais de l'armure, plus Last Whisper a la value, alors que plus je fais de la, enfin plus je fais de l'armure et moins et plus son sa pénétration armure donc direct, la létalité moins elle a de la valeur. Ok. Ça force le flash. Ça arrive, ça arrive, ça arrive fort, ça arrive fort. Ça arrive pas fort du tout en fait. Quel streamer va faire la rame du nouvel an? Je sais pas, moi je serai pas là pour le nouvel an, je suis navré. Tu as le droit de revenir, frérot. Yone, il troll la game un peu, hein. Bien joué. Au moins Jin il est là. Jin on peut lui faire confiance. Jin c'est mon gars sûr. Comment fais-tu pour ne pas être lassé du jeu en ayant conscience que c'est ton métier? Bah en fait moi ce que j'aime bien sur LoL, il y a vraiment deux trucs que j'aime bien. C'est streamer LoL parce que je trouve ça vachement cool de partager tout ce que je fais et de... Le fait tu vois de jouer solo et de streamer c'est extrêmement différent et j'aime bien jouer bien. Du coup bah c'est... Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, en règle générale j'aime pas jouer à LoL. Donc en gros par exemple quand je fais des pauses de LoL pour une soit raison, bah quand je dois reprendre j'ai beaucoup de mal parce que je joue mal et ça me frustre et ça m'énerve et du coup j'ai pas trop envie. À part quand je stream, parce que quand je stream c'est différent. Mais du coup quand je suis off stream j'ai du mal à jouer à LoL après mes pause. Et c'est un peu paradoxal parce que tu sais pour apprécier jouer LoL bah il faut que je joue. Attends on se fait péter notre mère là. On se fait péter notre mère. Du coup t'aimes pas jouer à LoL? Non j'aime bien jouer à LoL mais j'aime bien... En fait, en gros, moi, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Hein. En fait, quand je joue à LoL, ce que j'aime bien, c'est performer. La majorité des jeux, en gros, je t'explique comment je fonctionne pour 95%, même quasiment 100% des jeux auxquels je joue. C'est, je découvre un jeu. Je kiffe, t'as toute la phase d'exploration, découverte et tout. Où bah, je découvre des trucs, je teste des trucs, etc. Et tu sais, je regarde pas trop de tutos et j'apprends par moi-même et c'est trop bien. Ensuite, t'as la phase où, si je joue à du PvP, où je joue en PvP pour m'améliorer sur le jeu, parce que j'aime beaucoup le côté progression, le fait de pouvoir... je l'ai eu. Le fait de justement pouvoir se battre contre des mecs, devenir de plus en plus fort, etc. Et si le jeu... En fait, quand j'arrive à un point où où je me considère fort au jeu, tu vois, bah à ce moment-là, ce que j'apprécie... Maintenant, je suis un peu lassé, du coup, ma progression, elle commence à stagner un petit peu, ce qui est logique. Bah, ce que j'apprécie surtout, c'est bien jouer, tu vois. Ça me fait ça sur beaucoup de jeux. S'il n'y a pas de PvP, il faut vraiment que le jeu soit cool à jouer à plusieurs. Mais là, j'ai joué énormément à plusieurs, ça fait genre 10 ans plus que... Enfin, ça fait 10 ans que je joue au jeu, donc forcément, au bout d'un moment, ça lasse un peu. Et du coup, voilà. Si le jeu, en gros, n'a pas de PvP, la phase découverte, je kiffe et au bout d'un moment bah ça me saoule un peu. On a pas Yone là hein.
Et si le jeu est IPP, j'aime beaucoup la progression. Non. Quelle merde. On se fait outrun trop facilement là. On va se concentrer un peu plus sur la game parce que là je raconte ma vie et c'est un peu de la merde. Je sais pas s'il va y avoir une suite de la game. Normalement on a double ulti, normalement ça hold. Après ils ont quand même le Nash hein. Ouais c'est bon ça hold. Y'a personne. Ok donc on a Randouin. Je vais go cœur gelé maintenant. Enfin cœur gelé pas du tout. Je vais go Night Vow. Je ferai cœur gelé 3, 4ème, 5ème item. Enfin 6ème item si jamais j'y arrive un jour. On a quand même un scaling pas dégueu. Kings commence à être problématique et surtout j'avais pas prévu que Akshen allait péter la gueule autant de Yone là. On a Yone qui sert à rien et un Akshen qui est beaucoup plus valuable que ce qu'il est censé être. Un des principaux problèmes qu'on a c'est qu'on est rarement full. On est rarement 5 en gros. Du coup bah y a pas vraiment de situation où on peut chercher une engage, on peut vraiment se battre. On a besoin de faire. Ok vas-y go push hein. Ils sont deux bots, ils vont prendre T1 bot lane. Ça vient Arcus AO quoi. T'es full malade. Vas-y vas-y tripote moi. Envoie-moi tous tes microbes là. Ça fait plaisir. Vas-y maison. Ouais vas-y. Oh nice, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Oh putain. Oh nice, c'est bon ça, c'est bon ça. Oh c'est bon ça. Oh ça c'est bon ça. Allez, je t'ignite. Ah mais ignite aussi. Oh ça c'est très très bon. Let's go. Là, 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 là. Il est mort. Oh putain, 20 HP. Well play team. Je pense qu'il end hein. Je pense qu'il end hein. J'ai pu réduire des dégâts un peu ou pas. Ah non, non pardon, c'est pas ça. On fait plus de dégâts, ok. Ça fait 1000 de dégâts en plus. Pas incroyable, je pense peut-être que cela y aurait été mieux. Est-ce qu'ils finissent vraiment la game? Ils vont prendre une tour Nexus, c'est sûr. Ils vont prendre normalement deux tours Nexus. Normalement, ils end hein, s'ils trollent pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de bêtises, pas de bêtises. Voilà, bien joué la team. Et voilà, Yone il a arrêté de parler, on a gagné la game. Let's go. Bon après je dis ça, j'étais très défocus aussi hein. Voilà du bon taf. Bon le Nautilus il a fait le travail, voilà il était présent en early. Après bon j'ai été ma foi un petit peu unlucky team like always. L'algorithme. Il y a des petits moments d'absence mais qu'on a quand même fait le taf. Game Nautilus qui met bien, voilà n'hésitez pas à vous abonner, passez des très bonnes fêtes, des bisous à vous et portez-vous bien YouTube.